Waouh! Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir ici, c'est pas du jeu. Ça m'étonne. Un arbre qui prend feu. Est-ce que vous êtes abonné? Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, c'est de tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Ah! Ce que nous allons voir ici, c'est incroyable. Peut-être que vous vous êtes trop intelligent. Vous pouvez peut-être nous dire dans la partie commentaire ce que ça veut dire ou encore qu'est-ce qui peut expliquer ce que nous allons même voir maintenant. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Suivez-nous. Ah! Mais qu'est-ce qui ne veut pas avec vous? Regardez même ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Incroyable, mais vrai. Cet arbre est ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la fumée qui est autour de cet arbre. Imaginez-vous-même, vous passez à côté d'un arbre et vous voyez la fumée qui sort de ses racines. Que feriez-vous? Vous feriez sans doute ça. Cet homme s'est approché et il était curieux de savoir, il était même étonné de savoir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit même ici. Mystère. Et la fumée sort effectivement de cette table. Vous voyez la fumée qui est là? Mais que se passe-t-il en Afrique? Que se passe-t-il là-bas? Si vous voulez savoir, ne vous inquiétez pas. Vous en serez tout ici. Vous serez tout ici. Mes frères et sœurs, ce sont des choses hors du commun. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore? Est-ce que c'est un sorcier ou ce sont des sorciers qui sont des faits du pareil? Tellement c'est étonnant. Est-ce que vous êtes même prêt à voir ce qui se passe même souvent même en Afrique? Bon, j'étais un coup d'œil. Regardez ça. Ça, c'est l'Afrique. Ici, nous sommes à Mans, en Côte d'Ivoire. Et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit très beau. Et c'est un endroit aussi montagneux. Comme vous le voyez, il y a plein de montagnes là-bas. Et il y a des ponts en liane. Vous voyez un pont pareil. Waouh, c'est extraordinaire. Il y a même des cascades. Tout ça, c'est joli. T'as de belles choses. Des montagnes hors du commun aussi. Regardez même ça. Même des Occidentaux, des personnes qui quittent l'Europe et ils y vont juste pour admirer toutes les belles choses que Dieu nous a offert. L'Afrique est un endroit mystérieux. Un endroit à découvrir avec du bonbon à la bouche. Comme vous le voyez, c'est hors du commun. Tout le monde est là et c'est la joie. Il y a de belles choses, mais aussi de grandes choses. Des faux marchés, des arbres géants, waouh, de la taille de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père. C'est bien sûr que vous voyez ça. Vous êtes tout de suite impressionné. Maintenant, dites-moi, comment se fait-il que à la racine d'un appareil, le feu peut en sortir ou la fumée peut en sortir? La question que vous direz, c'est comment c'est possible? Est-ce que c'est des histoires? Oh, vous essayez de faire peur encore aux gens. Qu'est-ce qu'il y a pas? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Ah, qu'est-ce qu'il y a pas? C'est du fake. C'est comme ça les gens parlent. Mais quand nous vous montrons ça, là, vous ne discutez plus beaucoup. Quand vous voyez, c'est un arbre qui est là. Et les gens sont autour de cette table. Mais pourquoi? Pourquoi sont-ils attroupés juste là? Vous savez, quand il y a un problème, les gens viennent tous pour voir. Et ce qui se passe là sous vos yeux, c'est incroyable. Même ce jeune homme s'est approché pour voir de ses propres yeux. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. On voit la fumée qui sort de cette table. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'où ça vient? Regardez la fumée. Ça jaillit comme ça. Les gens sont en train de regarder. Ils passent. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il a? Et les gens sont là. Ils filment. Et cette table est vraiment très grande. Qu'est-ce qui peut expliquer ce tel phénomène? Dites-le-moi, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous êtes trop intelligent. Vous êtes des scientifiques. Mais expliquez-moi comment la fumée peut
sortir de là, ce temple est en train de juste prendre feu, quoi. Quoi? Est-ce qu'il y a un féticheur en dessous qui est en train de fumer de la cigarette? Hein, dites-le-moi. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer de la bonne nourriture juste en dessous pour qu'il y ait de la fumée comme ça? Dites-le-moi, vraiment, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et partagez cette vidéo pour qu'il y ait beaucoup de réactions. S'il y a de tels phénomènes, ce sont des choses qui nous amènent à réfléchir et à nous poser des questions sur la grandeur de Dieu quand même. Dieu est vraiment vivant, il est vraiment réel. Et nous devons vraiment croire en Dieu, même nous attacher à lui. Seul Dieu peut nous ouvrir les yeux et nous permettre de savoir réellement ce qui se passe ici. Les humains vont passer, ils verront tout ça, mais nous n'aurons pas d'explication. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous maintenant? Ah! Même les gens continuent à passer, à regarder. Mon Dieu, ça m'étonne. Dis à ton ami qui a écouté, ça m'étonne. Dis à ta soeur qui a écouté, ça m'étonne. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est réel et ça ne fait que commencer. Nous venons de nous réveiller et d'autres vidéos viennent encore. Des vidéos bizarres, incroyables. Moi-même, je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi nous sommes même là ici. Est-ce que vous croyez en Dieu maintenant? Si tu ne crois pas en Dieu, à qui mais tu vas croire? Ça m'étonne. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la cloche. Et en cliquant sur ce bon, vous aurez accès à nos pages d'accueil. Vous ferez nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur ce bon, déjà sur mon 3 et Young TV. Et à chaque fois que vous abonnez, activez la cloche. Et quand vous voyez de nos vidéos comme ça apparaître, si ça vous étonne, ça vous dépasse, partagez-les et dites tout ce que vous en pensez. Maintenant, toi, tu es trop intelligent. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici, avec ces tables-là même? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train de se passer même là? Que se passe-t-il? Pourquoi il y a fumé comme ça? Pourquoi les gens sont là? Pourquoi? Trop de questions! Réagissez et dites-nous ce que vous en pensez. C'est parti. Let's go.